La voix est de Patrick Bruel. L'appel est adressé à tous les enfants et adolescents de France. La plupart d'entre eux répondront à cet appel le 20 octobre prochain. Françoise David et Marcel Martin l'ont constaté en se rendant dans un collège parisien. Mais l'action des adolescents ne restera pas sans lendemain. L'état de notre monde si contrasté suscite de leur part quelques réflexions. Aujourd'hui, nous allons voir une des conséquences importantes du sous-développement. Quelle Le définition sous-développement, pouvez-vous ils donner l'apprennent dans de les la livres. famille? La Somalie, ils la voient tous les jours à la Charlotte, télévision. cela fait pas Aujourd'hui, beaucoup de ils temps. veulent participer. C'est cela. Chacun va donner du riz à notre professeur elle va le donner à ceux qui s'occupent de l'opération. Il faudrait mettre des soldats près de la nourriture pour vérifier qu'on ne la pille pas. C'est utile, mais je sais pas si c'est toujours suffisant, parce que si on peut faire plus, c'est toujours mieux. Vu qu'il y a beaucoup de dettes, il faudrait éliminer les dettes, il faudrait l'aider. Bon, comme il y a des guerres, on a envoyé des casques bleus pour déjà, et on en renvoie pour essayer de calmer les esprits. Et faudrait leur donner de l'argent, mais pas pour qu'ils achètent des armes, mais des industries, qu'ils construisent des industries, qui puissent vivre comme tous les autres pays, quoi. C'est surtout nous que ça concerne, puisque c'est notre futur, c'est là où on va vivre plus tard.